Ce dimanche est un jour spécial pour Jonathan. Ce jeune adolescent va faire sa première communion. Et ici, c'est toute la famille qui s'apprête pour ce grand moment. Bon, là, aujourd'hui, ça va se passer comment? À 10h, on va y aller. Après, je sais pas quoi. Comment tu ne sais pas? Là, après l'église, tu dois lire un test? Non, c'est pendant l'église. C'est pendant l'église? Pendant la messe et tout. Ah, d'accord. Et après? Ça veut dire, c'est quoi les thèmes? Moi, je n'en vois pas. Du truc, là, bleu, je sais pas quoi. Ah bon? En fait, qui décide pour les thèmes, là? Je sais pas. Je crois que c'est maman. Ah. Et t'associes quoi? Tu devrais le faire avec la glace, ou avec mon reste? C'est mon matière qui est derrière tout ça. Derrière quoi? Là, parce que là, j'ai décidé de faire un thème, là. Donc personne n'est au courant. Qui n'est pas au courant? Ah, le concerné n'est pas au courant. J'étais pas au courant. De quoi? Avant une semaine. De quoi? Le thème là. Donc toi, le premier concerné, tu n'es pas au courant? Le thème. Ouais, c'est ça. Ça sera quoi comme thème? Je crois que c'est bleu. Ah bon. Non, fais vite là, monsieur. Il est 9h30. Le temps de te préparer. Voilà. Tu as composé ce poème. On taille déjà pour la robe et pour la. Bon, vous me refaire un délire sur lui, vous voyez. Vos maisons poussent. Là, Maquère, oui, alors. Ils vont dire avant, c'est moi, je vais acquérir à Zaki. Voilà mon tonnerre. Bill Gates, l'astronien. Bill Gates, on vous aime, tu as Bill Gates. Y'a guette à boire du sang. Ah bah, ça va marcher dans le trio. Mais attends, je peux pas boire du sucre. Non. Tu vas se rappeler en Allemagne. On dit le maestère à Yambara. Les ailes va courgette. Voilà. La salade. Ça te passe la petite déjeuner. La salade, la petite déjeuner. Voilà, on dit la allemand. On dit la belge. On dirait la belle frère au milieu, ça me vient. Mais nous, on est à ma petite déjeuner. Ma française est beaucoup de temps. Señor, tú
La célébration aura lieu dans quelques minutes, alors, forcément sur le chemin de l'église, il y a bien de quoi se dire entre père et fils. Officiellement, nous les anciens chrétiens, on t'accueille à bras ouverts. Pour venir t'honorer, qu'est-ce que tu as à lui dire? Seulement merci. C'est pas assez, hein? Tu dois lui faire un bon test, là. Il s'est déplacé pour toi. Il t'a honoré. C'est ton tonton de Bandal, de Swala, que tu n'as pas connu. Et peut-être, si Dieu le veut, tu iras voir la Swala nationale. L'heure de la célébration sonne pour Jonathan et pour les autres enfants. On a dit que la tête était au centre et que les étoiles tournaient autour.
Et parfois, quand on grandit, il y a un âge où on pense qu'on est au centre. Et que les autres, entre guillemets, tournent autour. Et c'est un peu l'amour de soi. Et c'est pas mauvais. Faut passer comme ça. Et puis petit à petit, la vie t'apprend que tu n'es pas au centre. Que tu es la périphérie. Ça veut dire que tu ne touches pas trop. La Terre est à la périphérie du Soleil. Elle est au centre, elle est là. Et en même temps, la Terre est habitée. Elle est vivante. Et bien, c'est un peu nous aussi. Parfois, le chemin de notre amour, c'est un chemin parfois où on apprend tout soit quitter le centre en grande liberté. Et à être heureux de pouvoir, entre guillemets, faire une place à l'autre. Cela dit plus. Et bien, simplement, je vais vous confirmer sacramentellement, ayez mes parents, ayez mes proches, qui, entre guillemets, vous confirment, vous font confiance. Je dis, allez, mais quoi qu'il se passe, je t'aime. Quand Jésus dit, ceux qui observent mes commandements demeurent dans mon amour, ça ne veut pas dire que je t'aime si tu fais ce que moi je te demande. C'est pas ça. Mais simplement, l'amour, il faut, entre guillemets, le faire. Il y a des choses qu'il faut faire, allez, il faut pas être aimé dans sa tête, dans ce que tu fais. Et en même temps, ce que tu veux, témoigne de ce que tu veux. Demeurez en amour. Et sentez-vous aimé. Ça, c'est super important pour les ados, pour les jeunes, parfois même plus tard dans sa vie. Qu'on sente qu'on est aimé. Moi, je pense qu'on peut donner ce qu'on soi. Et il faut, dans ce sens-là, qu'on continue à faire. Quoi qu'on fasse, c'est aussi ça la confirmation. Elle peut nous tout faire. Je prends la vie d'amour et de pardon qui est là dans les meilleurs et dans les pires moments. Je crois aussi en un Dieu créateur. Dieu est source d'inspiration. Je crois aussi en Jésus-Christ, ton Fils, qui a porté la bonne parole et qui est mort sur la croix pour les hommes et les femmes. Je crois en l'Esprit Saint qui est en moi et qui me donne le courage que j'ai besoin dans les pires moments. Je crois en Dieu le Créateur, car ce Dieu est unique et rempli d'amour pardonné. Je sais que ce Dieu pardonne et grâce à lui, je sais qu'il y a Dieu après la mort. Et je crois en son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je crois en un Dieu d'amour et je crois en l'amour que je donne et que je reçois de mes proches. Je crois en l'amour que me donnent mes animaux. Je crois en un Dieu qui pardonne et qui est toujours là pour nous. Je crois en l'Esprit Saint qui est en moi. Je crois en toi Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous. J'ai perçu dans la beauté et la richesse de ta création. Tu nous envoies dans un monde d'amour, je crois en l'Église lorsqu'elle nous rassemble dans l'unité. Dans ma vie, ça donne de la joie. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et qui a donné la terre aux hommes. Je crois en Jésus-Christ. Il a ouvert parmi nous une perspective sans limite d'engagement humain, de construction, de l'avenir, de profondeur et de nouveauté de vie. Je crois en l'Esprit de Dieu, insaisissable, qui surprend le feu, le vent et l'eau qui germe au plus secret de l'homme, qui surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère et dans les tempêtes qui soulèvent les groupes pour réclamer justice. Il est serve d'un mot qui ouvre les yeux et délie les langues, une débordante qui nous rassemble, créateur de la liberté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Plus important pour moi.
Vous avez dit votre profession de foi dans vos mots. Je vous proposerai maintenant, à vous qui venez vous exprimer des promettants de foi comme les confirmants, peut-être aussi à vous qui êtes dans l'Assemblée, si c'est votre foi, je vous propose de nous lever et ensemble de redire la foi que nous avons reçue. Je crois en Dieu le Père tout-puissant. Dieu, Père de Jésus-Christ, répands comme tu l'as promis en plénitude l'Esprit Saint sur ton Église et en particulier sur ses confirmants. Fais-les grandir dans la sagesse et dans l'intelligence. Fais-les grandir dans l'esprit de patience et de force. Fais-les grandir dans l'esprit de bon conseil, d'adoration, de contemplation. Fais-les grandir dans la grande liberté des enfants de Dieu, qu'ils puissent à leur tour rayonner pleinement de la richesse que tu as mise au plus profond. Confirme-les dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, la veille de ta mort, tu as prié pour que vienne la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donne-nous cette paix. Inscris-la au plus profond de nos vies. Permets-nous d'en être les artisans par des chemins de justice et de miséricorde. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix de Dieu soit toujours avec nous. Donne-nous ainsi nous. Une cérémonie brillante jusqu'au moment tant attendu. Jonathan et les autres enfants reçoivent le corps du Christ pour la première fois. Yeah.
La célébration se termine, place à la séance photo. Une chose est sûre, le rendez-vous est déjà pris pour l'Eucharistie du dimanche prochain. Il faut le balan biso, bakolisibiso na christianisme. Tant que botami, tozu a baptême, biso pe tozoyi ba communion. Donc, tolingayi, tout sali ki bana na biso de bala na nzelo biso zoyi parce que, eza bien, tout mouni ki nzela wana, et comme si biso bien. To créer ma famille, tout ami imité. Nous avons des récoltes, donc nous pensons que c'est le bon chemin pour nos enfants aussi. Bon, pour nous directement à répondre à la question de nous retenir, donc nous avons parrain de 4-5 enfants. Ce n'est pas la première expérience. Mais où nous avons moins là, donc déjà, maman a eu. Papa n'a pas mis depuis toujours dans ma culotte. Si vous avez dit que 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 il fallait absolument abandonner l'autre bande en haut. Depuis moi, je suis bébé, il fallait que je baptême avec bébé, mais bon, il est au Nyon, il est au Nyon. Mes parents ont prévoyé qui on devait attendre le baptême. On était là au baptême pour Nato Simbaye, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si je suis papa baptissimo. Donc, on a accompli ça il y a longtemps dans le bateau. C'est avec mon épouse. Parce que il y a Aza, ma reine, il y a moi. Il y a Aza, ma reine. Donc, on a commencé par le baptême. Et puis, la communion, on devait être là pour l'accompagner à l'accomplissement de ce qu'il a choisi, de ce que ses parents ont choisi pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on était là. Donc, c'est une expérience de plus par rapport à ce qu'on a déjà vécu pour nos autres filles. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Bon, si quoi, il faut que tu aies un peu de salami. Donc voilà tout ce que moi je pouvais dire par rapport à ça. Mais en tout cas, ils ont essayé de me en tout cas, c'est bien Mingi. C'est mon petit frère. Mais Mingi. Pour moi, c'est la première fois qu'on a participé à un événement. Dans la date qui nous sommes aujourd'hui à baptême. Les acquis, première communion, puis confirmation. Je suis contente de voir mon petit frère être baptisé, pour la première communion. Et ça, il va bien. Et ça m'a bien marqué, c'est de voir toute sa famille réunie. Malgré un souci, il était la fête prévue pour le 1er juin. Les familles sont sur le yard, on a l'absolu, on sur le maire. Vraiment, je suis contente pour lui à continuer quand on dit là. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire.